Plus tu creuses, il faut l'oxygéner. Donc je vais le laisser 45 secondes s'oxygéner. Attends un peu que l'émail se fixe. Vous voyez ? C'est beau, on voit la lumière juste à la base, là, qui est... Lui, il y va pour la cuisson. Et c'est reparti. Du coup, c'est pratique pour ça. Là, on va l'enfumer. Vous pouvez regarder. Attends un peu. Ça bruisse. Oui, on voit encore un peu de orange. Ah, d'accord, intéressant. Ah, ça, c'est normal, c'est du cuivre, carbonate de cuivre, avec une base alcaline, il vient du bleu turquoise, il va s'éclaircir là. Et il faut attendre. Si je mets très vite, il peut bronzer même, ou voire rouge, de manière rouge. C'est une oxydation de réduction. D'accord, donc c'est en dosant tout ça que vous pouvez aussi jouer. C'est-à-dire le carbone va pénétrer dans les crapelures. À moins d'effet, pas de rouge, tout ça, puisque je le mets un peu tard. Voilà. Ça, c'est l'enfumage. Si, c'est pas possible. Ça fait trop. Ça va, les voisins sont habitués. Alors, je pourrais pas faire ça si j'avais des voisins dessus. C'est vous, Paris, c'est vous qui habitez. Ah bah oui, non. Non, ça c'est... Il y aura les pompiers toutes les deux minutes. Voilà. Donc là, c'est en train de s'arrêter. Vous êtes en train d'étouffer le feu en ayant recouvert. Là, il y a... C'est que du carbone, maintenant. Il y a une mauvaise combustion. Il n'y a pas de flamme. Le carbone va pénétrer dans les craquelures. Et donner toutes ces traces moi, noires. Oui. Et il y a eu le choc thermique auparavant. Qui a fait craquer. Les craquelures. Voilà. La terre est un réfractaire. Oui. C'est la technique du vote. Cool. Le japonais, ça veut dire le bonheur dans le hasard. Le bonheur dans le hasard. Ça, c'est une belle philosophie. Hein. Oui, c'est. Il y a le côté aléatoire qui est toujours surprenant. Toujours, on a des baffes, quoi. Mais bon, ça se maîtrise, c'est une technique comme une autre. Ça se maîtrise quand même à peu près. Oui. Mais pas complètement. Bah, le tracé des craquelures, j'imagine, vous ne pouvez jamais Déjà, surtout pas ça. Ça, vous ne pouvez jamais le maîtriser. Oui. Hein, oui. Mais il y a des tas de facteurs, l'épaisseur de l'émail, la porosité de la première cuisson. Il y a des tas de facteurs. Mais le côté aléatoire est bien. C'est intéressant. Oui. Oui, pour pas qu'on s'approche de trop. Elle a une très belle couleur, hein, d'ailleurs. Je crois pas que ça va rentrer dans la vidéo. Elle n'est pas nettoyée. Ah, donc elle va ça donner... Va ça. Voilà, un petit peu plus vert, voilà. Que la, par exemple, celle-là. Ça dépend, ça peut être plus vert. Celle-là, c'est pas les mêmes émailles de départ. Non, ça, c'est un pigment bleu. D'accord. Oui, alors que là, vous m'avez dit que c'est un carbonate, oui, c'est ça. Tout à fait. Et ça, c'est du cuivre aussi, c'est un verre de cuivre et un jaune d'antimoine aussi. D'accord. Waouh. Là, c'est un petit peu... c'est alchimie, hein. Oui, oui. Puis après, et puis juste derrière, il y a l'alchimie des plantes avec les plantes tomates. Cool.
Ah ben.